Les gendarmes sont à bord en ce moment du Rhodanus et font leur investigation. Donc on les laisse faire leur travail quant aux circonstances de cet échouement. Ce que je sais, moi, c'est que pendant plus de 50 minutes, le bâtiment a été appelé par le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Corse, par le Sémaphore de Pertusat et par la station italienne de Maddalena sans réponse. Ce qui veut dire que l'équipage dormait ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse sur VHF.